Les élus de Sud-Vendée Littoral se sont réunis jeudi 21 octobre à Saint-Michel-en-Lerme pour un nouveau conseil communautaire. Cette séance a été largement consacrée à la préparation du budget de l'année 2022. C'était un temps très important pour le conseil communautaire. Nous votons notre budget en décembre et il est nécessaire d'en faire ce travail et de le présenter à nos collègues élus. Un travail qui a été opéré évidemment en commission, en bureau et qui est présenté ce soir, un format que l'on appelle un DOB, un débat d'orientation budgétaire. Comme ça l'indique tout simplement, nous allons discuter des orientations qui ont pu être envisagées au sein des commissions, au sein du bureau. Au-delà de ça, on examine aussi notre capacité à investir, notre capacité à fonctionner. C'est tout le champ financier qui est étudié lors du débat d'orientation budgétaire. La préparation du budget a retenu toute l'attention des élus communautaires et les objectifs proposés par les membres du bureau seront tenus. En fait, il faut savoir que les orientations qui sont prises, elles répondent à un projet de territoire qui a été travaillé déjà avec les élus. Nous avons aussi fait l'amorce d'un PPI, ce qu'on appelle un plan prévisionnel d'investissement, qui va nous emmener sur la durée du mandat et nous indiquer les champs sur lesquels nous allons pouvoir investir. Enfin, sur le plan économique, ce conseil est une nouvelle occasion de démontrer le dynamisme du territoire avec de nouvelles implantations d'entreprises à Saint-Hermine, dans le Vendéopôle. Aujourd'hui, des entreprises se développent au niveau du Vendéopôle. Trois grosses enseignes nous ont fait part de leur projet d'installation sur notre territoire. Il s'agit des enseignes Exia, Biohabitat, Millet. L'attractivité du territoire, de par l'apport des entreprises, va se traduire aussi auprès de nos communes. On parle de l'habitat, on parle des mobilités, des écoles, des associations. Donc aujourd'hui, c'est tout Sud-Vendée Littoral qui va bénéficier de l'implantation de ces belles entreprises. Rendez-vous au prochain conseil communautaire qui aura lieu le jeudi 18 novembre à la salle de conseil à Saint-Michel-en-Lerme.